Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des textures d'environnement dans Blender. Donc c'est juste quelque chose qui vous aidera lorsque vous ferez l'éclairage dans votre scène. Déjà, j'aimerais préciser que je suis dans Cyconce Render, ici, donc dans le moteur de rendu Cyconce, et qu'en bas, j'aimerais m'assurer que tout le monde connaît bien le mode de rendu Rendered. J'imagine que oui, parce que j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos précédentes en fait. C'est juste un mode, enfin une vue, comme on a la vue solide ou la vue fil de fer, wireframe, qui vous permet de voir, avoir un aperçu, en fait, une prévisualisation de ce que donnerait votre scène si c'était dans un rendu. Et puis Blender, quand je zoome ou dézoome, comme ça, Blender remet à jour automatiquement, en temps réel, la scène pour que vous l'ayez comme ça. On peut même orbiter avec la molette de la souris et autour, et voilà, c'est remis à jour en temps réel. Donc on peut voir dans cette situation-là que j'ai très peu commencé mon travail dans Blender. J'ai juste modélisé Suzanne et la sphère. Je les ai mis sur un plan et c'est tout. Et donc je me suis même pas encore penché sur la partie éclairage. Et parfois on fait ça, on n'en est même pas encore à la partie éclairage, mais on veut déjà avoir une idée de ce que ça va donner au rendu pour pouvoir continuer à avancer dans notre travail. Donc en général, ce qu'on fait, c'est donc je vais faire Shift Z. C'est juste un raccourci clavier pour passer de la vue solide à la vue rendered. Donc c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Shift Z, et on peut tabuler entre les deux comme ça. Et j'utiliserai ce raccourci sur la fin de la vidéo, donc à noter, et peut-être même sur les vidéos suivantes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter en général ce qu'on fait. Dans un autre calque, moi j'ai juste rajouté une lampe de type Sun ici. Et quand on revient dans le view render, bon voilà, la scène est éclairée, et donc on peut se donner une idée un peu de comment on va progresser, comment on va continuer notre travail. Seulement, ben juste une lampe comme ça, ou quelques lampes, il y a des gens qui en mettent 2-3 de plus, bah c'est pas très réaliste, on se penche pas trop sur le sujet, ça fait temporaire, ça fait pas fini quoi, et pas forcément bien. Et même avec l'éclairage que vous pourrez faire à la fin, qui sera bien mis en place avec tout l'éclairage en 3 points par exemple, tel que j'ai pu l'expliquer dans une vidéo précédente, ça donnera un résultat qui sera très bon, mais qui sera pas non plus trop réaliste, enfin. En gros, ce que j'ai envie de dire, c'est que avec ce que je vais vous montrer maintenant, on peut aller plus loin encore et on peut encore plus se rapprocher de la réalité parce qu'on se base sur elle directement. Donc, sans plus tarder, on va s'y mettre. Je vais supprimer, enfin, je vais enlever le calque avec la lampe. Et ah oui, juste avant, j'aimerais noter. Donc, on a vu dans le mode rendered avec l'autre calque là, j'ai juste mis un matériau sur les deux objets qui sont au milieu là, un matériau de type glossy, tout simple. Donc ça imite un miroir, c'est juste pour que ça reflète tout ce qui est autour, et c'est juste pour l'exemple. Donc vous posez pas trop de questions. Donc oui, on en revient à ma nouvelle technique. Je vais re-enlever le calque avec la lampe, et je vais aller sur le bureau de mon ordinateur. Donc là, on voit que j'ai une image, c'est une image HDR, on appelle ça. Et donc c'est la vue d'un champ, tout bête, il y a le ciel, il fait beau, il y a quelques nuages, le soleil est haut dans le ciel. Et donc c'est une image qui est assez étirée dans tous les sens. Parce qu'en fait c'est particulier, c'est comme une vue panoramique, mais une vue panoramique prise en 360 degrés horizontalement, tout comme verticalement. Donc ça a pris, c'est une photo sphérique en fait, et ça a pris tout le tour, tout ce qui était autour, comme si on faisait l'inverse de la vue du globe. Quand vous voulez voir la map monde, la carte mondiale, vous avez un peu l'inverse de ça. Là c'est comme si on était au centre du monde, le noyau, et que vous avez pris tout le monde autour de vous. Donc là, le photographe, il a pris tout ce qui l'entourait dans une seule image, et quand on essaie de reporter ça en 2D, et dans une image rectangulaire comme ça, forcément, il y a des endroits qui sont étirés. Par contre, on va se servir de cette image dans Blender, et Blender va faire en sorte que, bon, bah, ce soit bien reproduit autour de nous, dans le monde. Ces images sont très très importantes pour l'éclairage, parce que elles reproduisent exactement un éclairage qui ressemble à la réalité, enfin qui était à la réalité à un moment dans la vie, enfin je veux dire, ça a été pris en photo et c'était le vrai éclairage qu'il y avait à ce moment-là dans la vie. Et donc forcément, ça va donner un éclairage le plus réaliste possible dans Blender. Ces images-là, on peut les trouver sur Internet, mais en règle générale, elles sont payantes. Si vous avez énormément de chance, vous pourrez en trouver des gratos, mais il faut payer pour les avoir en général. Et si vous arrivez à vous en procurer, essayez le plus que possible de récupérer des images en .raw, RAW.
raw en anglais ça veut dire cru, enfin c'est une extension et une extension d'image très lourde, donc le fichier sera très lourd, enfin très volumineux. Mais ça c'est juste pour dire que chaque pixel de l'image contiendra le maximum d'informations qu'il puisse contenir sur la photo derrière. Et avoir une image très lourde avec toutes ces informations qu'elle contient, ça va permettre plus tard de jouer sur l'éclairage du soleil, si on voulait changer l'heure de la journée, si vous voulez que ce soit plus sombre comme c'était plus dans la soirée, ou plus clair comme c'était plus tôt dans la journée, ou comme ça, vous pourrez faire toutes ces modifs dans Photoshop ou quoi que ce soit à côté pour ensuite le prendre dans Blender. Il me semble qu'on peut le faire dans Blender aussi. Et oui, on peut le faire dans Blender, tout à fait, oui. Et en fait, vous pourrez jouer sur tout ça de manière mieux que si c'était juste un JPEG comme ce que j'ai maintenant ici ou un PNG. Quoi qu'il en soit, essayez d'avoir des photos de très grande qualité le plus possible pour avoir le maximum de contrôle dessus derrière. Bon, cela étant dit, on va retourner dans Blender. Voilà. Et ici, donc, suivez bien ce que je fais. Je vais aller dans le sous-panneau ici, dans le menu. Je vais aller dans le panneau World. Donc, c'est le panneau du monde. Donc, le monde, c'est tout ce qui entoure notre scène derrière. Et là, on va utiliser Use Nodes ici. On clique dessus. Et donc, on a le type de surface qui est le background. Et la couleur qui est en fait la couleur qui est en fond d'écran ici, en fait, derrière. Donc, cette couleur définit la couleur que vous avez en fond. Et alors, nous, on veut pas une couleur, on veut une image. Donc, vous allez cliquer sur le point qui est à côté. Et aller dans la deuxième colonne sur texture, texture d'environnement ici. On clique dessus. Et là, donc, on va pouvoir chercher dans notre ordinateur la texture qu'on veut. Moi, je vais sur desktop, sur mon bureau, et je vais cliquer sur celle qui nous intéresse. Et je vais faire Open Image. Maintenant que j'ai ouvert l'image, on voit rien, là, tout à coup. Mais, donc, pour voir quelque chose, il faut se mettre en vue rendue, en vue de rendu, donc Shift Z. Alors là, ça calcule un peu. Ça charge l'image. Et là, donc, le fond d'écran est vert. Et si on voit la réflexion qu'il y a sur la sphère, par exemple, on commence à voir un peu le ciel, les nuages, tout ça, l'herbe, la forêt. Et donc pour voir tout ça autour de nous, il va falloir se mettre en vue de caméra. Donc on fait 0, on se met en vue de caméra. Et là on voit que tout autour de nous, on a la texture telle que, enfin l'image qu'on avait tout à l'heure, qui se place bien autour de nous. Donc je vais faire clic droit sur la caméra, si j'arrive à la sélectionner, cette caméra. Oui, c'est elle qui est sélectionnée. Et là je vais faire N. Et je vais faire Lock Camera to View. Je pense que vous avez montré ça avant, plus tôt, dans les propriétés. Et là, ça nous permet de faire en sorte que la caméra, en fait, quand on orbite dans la scène 3D, quand on essaie de tourner tout autour, c'est la caméra qui tourne. Donc on voit le plan, tout ça, mais on peut voir donc toute la scène qui est autour de nous. Et toute l'image qu'on avait là qui se remet bien comme il faut dans Blender. Donc c'est très pratique et c'est exactement ce que l'on veut, nous, pour faire notre éclairage. Et là, du coup, la scène est éclairée. C'est-à-dire que j'ai pas coché le calque avec la lampe que j'avais mise tout à l'heure. Il n'y est pas la lampe. Il y a juste l'image de texture autour. Et notre scène est éclairée. Tout l'éclairage est fait comme si le plan, Suzanne et la sphère étaient à l'extérieur, en train de flotter au milieu de ce champ. Donc ça, c'est vraiment super, super pratique. Parce que derrière, ben, vous allez pouvoir éclairer votre scène juste avec ça. Une dernière chose encore, on est en vue caméra. Dans un dernier calque qui est à côté ici, j'ai rajouté encore quelque chose. Je vais Shift utiliser et j'ai mis tout ça dans une boîte, enfin dans une maison, comme si on était dans une scène intérieure. Et donc j'ai creusé des fenêtres dedans. Donc il y a une fenêtre ici. Si je tourne, moi je sors, mais il y a une deuxième fenêtre de l'autre côté, là, de l'autre côté. Et la lumière qui est utilisée par, enfin la lumière qui est envoyée par l'image de texture va être projetée même dans la boîte, enfin dans la maison, et va passer par les fenêtres et va quand même éclairer l'intérieur de la maison. Bon là on voit que ça éclaire pas forcément beaucoup. Du coup on va aller ici dans les propriétés et dans Strength, donc la puissance de l'image, on peut augmenter cette valeur. Si je la mets à 5 par exemple, on voit que là du coup tout est beaucoup plus clair, beaucoup plus éclairé. Et donc l'intérieur de la pièce aussi va se faire éclairer. Seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parlais de PNG, JPEG, enfin de format d'image, et j'ai dit que si possible, utiliser une image de type RAW, donc .raw avec cette extension-là, parce que l'image aura beaucoup plus d'informations et vous aurez beaucoup plus de contrôle dessus. Notamment, si vous augmentez la force ici, le strength de l'image, vous aurez une image de bien meilleure qualité, avec toujours la même puissance que vous voulez. Là, en augmentant la puissance de l'image, la puissance émise par l'image, on perd beaucoup de la qualité. On voit que le ciel
j'aimerais ah non j'aimerais juste ça, voilà. On voit que le ciel est devenu tout blanc, on n'a plus aucune information sur les nuages, sur d'où vient le soleil, tout ça, et on perd beaucoup en qualité d'image autour. Alors si c'est quelque chose que vous voulez avoir dans votre rendu, si vous voulez voir les arbres, voir un peu de tout ça, du ciel et tout, si possible, utilisez une image de meilleure qualité avec une extension RAW, parce que vous garderez cette qualité pendant plus longtemps, vous aurez beaucoup plus de contrôle sur la qualité avec les nuages et tout ça. Voilà, donc maintenant vous avez incorporé une image de type environnement là, HDR. Il faut trouver ça sur internet. Et à vous de jouer. Vous allez pouvoir éclairer vos scènes avec ça. Ça peut pratiquement remplacer tout l'éclairage que vous feriez, basique. Sauf parfois dans certains cas particuliers, vous voudrez peut-être rajouter une ou deux lampes à tel ou tel endroit pour préciser un peu, orienter un peu mieux l'éclairage ou la scène, faire un peu plus de compositing avec. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de bien et je vous retrouve dans le prochain tutoriel. Salut!